Mon nom, c'est Caroline Côté. Je suis une cinéaste d'aventure. J'ai eu le déclic pour changer un peu ma vie quand j'avais 24 ans. Je travaillais dans le domaine de la publicité. J'ai compris un jour que j'en avais marre. Donc, j'ai pris ma caméra et je suis allée à la découverte des éléments de la nature. Ma passion, c'est de suivre des équipes qui vivent du dépassement de leurs limites dans des conditions de milieu froid, de milieu hostile. À un moment où j'ai vécu une situation qui m'a amenée à repousser mes limites, c'est sur le plateau interdit en Antarctique. Et je me rappelle qu'on se lève ce matin-là. C'est pas du vent qu'on entend, mais c'est vraiment presque un hurlement. La force du vent à ce moment-là est terrible et je sais que je dois sortir de là, démonter la tente et partir. Cette journée-là, on a dû avancer seulement de 700 mètres parce que les conditions étaient tellement difficiles qu'on ne pouvait pas s'entendre, même si on était à moins de 10 mètres de distance. La navigation à travers un voile blanc avec des vents extrêmes, ça m'a amené vraiment à repousser mes limites à ce moment-là. Ce que je cherche à amener aux gens en faisant mon métier de cinéaste, je pense que c'est de ramener la simplicité dans la vie. Si on dort dans une tente, par exemple, ben on sent le sol qui est sous nous. On n'est pas entouré de grands murs. Ça me donne l'impression de redonner un esprit de l'environnement aux gens qui m'entourent, à les grands milieux urbains. Le regard que j'ai envie de lancer sur le futur, ben c'est peut-être un regard d'enfant. Regarder la nature avec les yeux d'un jeune, c'est ce qu'il y a de plus beau, en fait. C'est authentique, puis c'est naturel.